the city, the system, all these restrictive rules. This is our place. We are the ones in power. This is what we ride for. Prêt pour l'aventure ? On va y aller tranquille au début. Je plaisante. Je peux pas, j'arrive pas à me refouler cette bécane. Pour la petite coquine, pas les fougueuses, hein. Tu vois, on a dit qu'il fallait essorer la poignée. Bah j'y sors alors. Lancée il y a tout juste 2 ans, l'Africa Twin connaît déjà une belle évolution. Moteur et échappement retravaillés pour optimiser les performances à mi-régime, ride-by-wire et mode de conduite sont notamment au programme. Honda aurait pu s'en tenir là, mais 2018 marque les 30 ans de la première Africa Twin de série. Pour célébrer cet anniversaire, le japonais a imaginé une version destinée à combler les désirs des amateurs de voyages au long cours. L'Africa Twin Adventure Sport. Robe bleu-blanc-rouge, hommage à la XRV 650. Réservoir élargi et pare-brise allongé, guidon rehaussé, selle plate et relevée, sabot moteur XXL, piège à loup, débattement de suspension et garde au sol augmenté. La vocation baroudeuse de l'Adventure Sport ne fait aucun doute. Mais rien de tel qu'une petite promenade bucolique dans la pampa andalouse pour s'en assurer. Au début, t'es un peu impressionné par la taille, hein, mais franchement, en position debout, elle est incroyablement rassurante. Il y a un super équilibre sur cette machine. T'es tout de suite en confiance. Il est pas mal le nouveau tableau de bord. Hein. Il a changé de position, on voit un petit peu mieux debout, c'est vrai. Hop là, oh, c'est diabolique comme machine. Alors, ça se complique, tu regardes droit devant, gaz. Et là, ça se dandine de partout, tu te demandes un peu comment c'est possible, mais ça passe. Ah, et sans être malmené trop en plus, hein. Oh, la qualité de l'amortissement, franchement. Ah, puis alors, avec la nouvelle garde au sol, la plus haute, franchement, tu te poses encore moins de questions. Déjà qu'avec la boîte auto, tu t'en poses pas beaucoup. Ah, c'est vrai, parfois, avec les bottes, tu galères un peu avec le sélecteur. Là, c'est gaz, frein arrière, point barre, gaz, frein arrière. Et puis, il y a des modes cartographiques maintenant. Notamment, il y a un gravel. Hein. Et contrairement à ce que je pensais, en revanche, il aseptise tout. Alors, c'est super pour les débutants. Mais bon, c'est pas funky, quoi. Résultat, au bout de 3 minutes, j'ai mis le mode tour. C'est full patate. Le frein moteur moyen. J'ai mis le traction control à 1 sur 7. La DCT sur Sport 3. Et là, ça permet de faire partir à l'arrière comme un goret. Enfin, si la moto voit que ça sent le sapin, elle me remet quand même dans le droit chemin, rassurez-vous. Voilà. En revanche, si tu déconnectes l'ABS du frein arrière et que tu restes scotché sur la pédale, là, tu peux finir en PLS, quoi. Il faut quand même pas complètement se prendre pour un champion avec une moto de 250 kg, quoi. Ça force le respect, hein. Puis le paysage, t'en profites mieux quand tu restes sur la moto. Hein. L'Africa Twin Adventure Sport est conçu pour offrir un maximum de plaisir off-road avec une machine de 253 kg. Même si, d'après le constructeur, 80% des futurs propriétaires ne mettront jamais une roue hors du bitume. Bon, allez, fini de jouer maintenant, Eric. Enfin, pour l'instant. On troque les célèbres Continental TKC 80, maintenant homologués par Honda, pour des Bridgestone A41 et direction l'asphalte. Sur route, c'est-à-dire une fois que t'as réussi à monter dessus et puis à rentrer la béquille, on va t'as l'impression de l'avoir toujours connue, hein, cette moto. Elle est d'une simplicité. Et d'emblée, tu sens que tu vas voir défiler les bornes sans avoir à prendre rendez-vous chez le kiné. Ça, c'est bien. Non, parce que l'amortissement est top, mais enfin, la selle, elle est aussi de très très bonne qualité. Hein. Et puis, le changement de position du guidon, plus haut, plus rapproché. Bah, du coup, t'as le dos plus droit, tu vois loin, t'anticipes. Tout ça, c'est bon pour le confort et puis même la sécurité. Hein. Bon, en revanche, faut pas oublier que t'es sur un trail, hein, un vrai trail. En clair, si tu veux commencer à faire le malin, faut quand même se rappeler que la fourche, elle est pas faite pour ça. Ça plonge énormément si tu tapes dans le frein. Alors, le truc, c'est de bien asseoir la moto avec l'arrière avant de prendre l'avant. Et puis là, c'est là que tu découvres qu'elle est diablement efficace aussi sur la route.
Et d'autant plus en boîte DCT d'ailleurs. Ils ont quand même hyper bien bossé chez Honda là. Il y a même un mode urban. C'est un mode qui te permet quand tu es en ville d'aseptiser un peu la moto tout en gardant quand même un peu de plaisir. C'est pas aussi castrateur que le mode gravel. Donc c'est bien, c'est moins tonique. Bon, ouais. C'est vrai que moi j'ai tendance à rester en mode sport quand même, et puis en mode tour quoi. Mais c'est bien. Quand il pleut par exemple, ça doit être bien. Bah puis hey, vous avez entendu la sonorité de ce moteur? Il n'y a pas que les mi-régimes qui ont été améliorés. Hein. La nouvelle boîte DCT proposée sur l'Africa Twin lui va très bien. Elle apporte beaucoup de confort sur route et rend la pratique du off-road plus accessible. Un bon choix qui fait progresser de 1000 euros la facture de l'Africa Twin, proposée à partir de 13 549 euros en version standard et 14 549 euros en version Adventure Sport. Hors option, comme les crash bars installés sur notre modèle d'essai, l'Africa Twin Adventure Sport DCT sera donc disponible fin février à 15 549 euros. Ses principales futures concurrentes, la nouvelle Triumph Tiger 800 XCA, plus légère mais moins coupleuse, est à 14 950 euros et la BMW F850GS, aux caractéristiques moteurs plus proches, devrait avoisiner les 14 000 euros une fois bien équipée. Elles seront par conséquent moins onéreuses mais ne disposeront pas de boîte automatique alors qu'elle a connu un franc succès. En effet, en France, près d'une Africa Twin sur deux est une DCT. Un truc de fou cette moto, c'est un truc de fou. J'en peux plus. Oh, reste tranquille, Cyril Neveu là-haut. T'as vu sur quoi je roule ou quoi? Oh, j'ai une P4 de champion moi. Attends. Et le Mehdi, il est où là? Hein? Il est où le Mehdi? Il est au Maroc? Bouge pas mon canard, j'arrive. J'arrive. Voilà. Bonjour à la caméra, là. C'est pas pour le moral, c'est pas pour le moral, c'est pas pour le moral, c'est pas pour le moral.